Amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, Joue le jeu vous présente le 6 qui prend. Donc, le 6 qui prend est un jeu de cartes avec des cartes avec des têtes de taureaux, des grosses têtes, des valeurs et puis des petites têtes de taureaux en haut des cartes. Vous voyez, des cartes de différentes couleurs. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on joue? On va donner 10 cartes à chaque joueur. Donc là, on va faire une configuration à 3 joueurs. Donc, le premier joueur reçoit 10 cartes. Le deuxième joueur reçoit 10 cartes. Et le troisième joueur reçoit 10 cartes. Et on va placer sur la table 4 cartes face visible. Voilà, 96, 55, 35 et 64. Ensuite, les cartes, on les enlève, on n'en a plus besoin. Donc, chaque joueur va prendre connaissance de ses cartes et va sélectionner une carte qu'il va pouvoir placer à la suite de celles qui sont déjà sur la table. Donc, on peut placer une carte de valeur inférieure, par exemple, lui, il a 8, il peut le mettre nulle part, en enlevant la carte et en la remplaçant. C'est-à-dire que, ici, il n'y en a qu'une, mais des fois, il peut y en avoir 3 ou 4. Je décide d'en mettre une valeur inférieure, mais je récupère la carte ou toutes les cartes qui étaient là. Donc, au début, on a tout intérêt parce que, vous voyez, les têtes de taureau, à la fin, on les comptabilise, et celui qui en a le plus, bien malheureusement, vous devinez, aura perdu. Donc, munissez-vous d'un papier et d'un crayon, parce qu'après, on peut faire plusieurs manches. Donc là, en l'occurrence, ce joueur-là, comme pour l'instant, la pile n'est pas très... Enfin, la ligne, il n'y a pas de carte. S'il récupère cette carte, il ne récupère qu'une tête de taureau. Alors, il ne va pas la mettre là, hein, parce que s'il met son 7, il récupère cette tête de taureau. Là, s'il la met, il en récupère 2. Bon, là, il en récupère qu'une. Il a des petites cartes quand même. Donc, il y a le 96 qui est une grosse. Lui, il va sans doute jouer cette carte pour la mettre ici. Alors, les autres, bah, lui, il n'a pas tellement envie. Lui, il a le 102. Il se dit qu'il n'a pas envie de tête de taureau pour l'instant. Bon, il a des cartes dangereuses, hein, les rouges et les vertes et les bleus. Mais bon, il décide de mettre le 102. Et puis lui, bah, lui, il regarde son jeu. Il regarde 64, 35. Bon, allez, 35, je vais mettre 47. Ça, je récupère rien. Donc, les joueurs retournent leurs cartes. C'est la plus petite qui commence. Il a le 7. Donc lui, comme je vous l'avais dit, il préfère récupérer cette carte. Alors les cartes récupérées, on les met ensuite devant. Hein. On les met devant parce que on comptera, alors on peut les mettre les unes sur les autres, hein. On comptera après le nombre de têtes de taureau qu'on a récupérées à la fin du jeu. Donc il met la 7. Donc lui, il a la 47, c'est à lui de jouer. Donc ben, il la met là parce qu'il pourrait la poser là, mais l'écart est de 40, alors que là, il n'est que de 12. Donc, lui, il a 102, ben, il la met ici, puisque il pourra la mettre là, mais 64 étant plus grand que 55, il est obligé. Donc, on continue. Chaque joueur regarde et sélectionne. Donc, lui, il va sélectionner celle-ci. Lui, et ben, oh, lui, il se dit, zut, j'ai mon 2, là, chez mon 2, il va me pénaliser. À un moment, je vais être obligé de le mettre. Les lignes vont être pleines. Je vais être obligé de ramasser. Bon, allez, je le pose. Comme ça, je le mettrai à la place du 7. Puis, je récupère qu'une tête de taureau. Alors, lui, qu'est-ce qu'il se dit, lui? Ben, lui, il se dit que 53, c'est pas mal. Là. Ah, attention, moi, j'ai le 3, là. Bon, le 3, il m'embête. Hein. Bon, allez, le 3, faut que je m'en débarrasse parce que... Donc, les joueurs retournent. Donc, celle-ci, hein, c'est lui qui l'a gagnée. Hein, donc, je vais la mettre hors champ. Donc, je la remettrai après. Donc, lui, c'est le 2. Bah, il récupère le 7. Alors, lui, bah, off. Le 3, c'est bon. Et lui, le 8. Bon, donc, on continue. Alors, lui, bon, il y a 3 cartes ici. Alors, attention, parce que quand on pose la 6e carte, on récupère
tout ce qu'il y a avant. Hein. Donc attention, c'est pour ça que ça s'appelle le 6 qui prend. Une carte, ça va, deux cartes, ça va, trois cartes, ça va, quatre cartes, ça va, cinq cartes, ça va. Si je pose la sixième, je récupère toute la ligne. Hein. Donc attention à ça. Hein. Donc lui, il se dit, bah, moi, je vais jouer le 19, ça en fera 4. Bon. Donc lui, qu'est-ce qu'il dit? Bah, il dit, moi, je vais jouer le 14. Hein. Alors, sans savoir ce que les autres jouent, bien sûr. Hein. Donc des fois, on peut penser avoir joué pardon, la bonne carte, et puis... Donc lui, qu'est-ce qu'il se dit? Ben 47, moi je vais jouer le 53. Allez hop. Donc il retourne sa carte, il retourne sa carte, il retourne. La plus petite joue, c'est le 14, donc il la met là. Ensuite c'est lui le 19. Et ensuite c'est lui le 53, donc il la met là. Donc on continue, on recommence. Hop, on sélectionne une carte. Donc oulala, 1, 2, 3, 4, 5, aïe aïe aïe. Si j'en mets une petite... puis que l'autre m'en met une plus petite que moi. Bon, ici, allez, hop, 103, il n'y en a que deux. Je vais mettre celle-là, je vais me sélectionner celle-là. Lui, oulalalala, alors lui, il a des cartes, hein. Il faudra peut-être mieux pas qu'il les récupère. Hein. Donc, il se dit, allez, 55, moi, je vais mettre 66 ici, dans la ligne. Pardon, excusez-moi. Je la pose ici. J'avais déjà anticipé. Et puis lui, qu'est-ce qu'il se dit? Ben lui, il se dit... Oh, le 25, mais bon, il a déjà 5. 75, et ben 75, je peux. 75, je vais la mettre là. Elle ira là, puisque 55 est plus grand que 53. Bon, attends, je mets 70. Il y en a plus, des têtes de taureau. Donc, il sélectionne. Donc, on retourne les 3 cartes. 66, c'est la plus petite, donc lui, ben, il est obligé de la mettre là, parce que c'est plus proche de 55 que de 53. Donc lui, 70, c'est plus proche de 66 que de 53. Et lui, 103, ici. Bon, parfait. Hop, on est reparti. Donc voyons voir, 70, allez hop, 79. Lui... Bon, 53, je vais mettre 54, hein, j'ai 54. Hop. Bon, lui, qu'est-ce qu'il dit, lui? Bon, 103, je peux pas. 64, ben, 25. Oh là 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 là. Ben, je vais mettre 75, moi, comme ça, je le mettrai là-bas. Alors, bien sûr, hein, s'il y a un autre, donc 79... 54, 75, si un autre en avait mis entre-temps des plus petites, hein, des fois, on... Donc, 54, c'est lui, donc lui, il peut la poser ici, 75, c'est lui, il peut la mettre là, et lui, 79, ici. Alors là, attention, hein, parce que là, ça commence à craindre, 5, 5, 4, 3, attention à la prochaine carte, hein. Elle pourrait faire très mal, hein, parce que là, la sixième, on prend tout. La sixième, on prend tout. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5 têtes de taureau. Mais alors ici, 1, 2 et 1, 3, 3 et 3, 6, 6, 5, 11, 11 et 7, 18. Ouh là 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 là. Alors là, attention, le 88, surtout pas. Le 46, ben, je peux pas le mettre. Le 26, oh ben, pff, allez, le 23, tant pis, si je récupère la première ligne, ce sera un moindre mal. Donc lui, qu'est-ce qu'il se dit? Ben, il se dit qu'il va mettre surtout pas le 90, surtout pas le 85. Ben, le 44, il peut pas. Le 68, bon, il se dit, je vais mettre le 68, hein, en pensant qu'il le mettra là. Parce que le 18, il peut plus. Alors lui, eh bien lui, qu'est-ce qu'il dit, lui? Oh, y a 80, 83, c'est hors de question. Ah, le 25, peut-être, c'est moindre mal. Bah oui, de toute façon, les autres... Ouh là 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 là, ça sent très mauvais. Donc, il met le 25. On retourne, 23. Donc, on retourne les 3, pardon. Je savais déjà que c'était 23. Donc, lui, à la plus petite. Lui, il n'a pas le choix. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sauf que lui, comme il a mis le 23... Ben lui, il se dit, oh, c'est pas à moi de mettre tout de suite. Hein. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu as posé la sixième, tu récupères. Hein. Bon, bah ben lui, de toute façon... Donc, il les met hein, dans sa défausse, il les garde, il ne les remet pas dans son jeu. Et la 23, il la met là. Lui, pff, gros ouf.
25, je la mets là. Et lui, 68, je la mets là. Et on continue. Donc lui, ben là, il peut mettre son 26. Lui, oh là là, lui, il se 18. Il se dit 44, je peux pas. Enfin, si, ici. Oh, si, je peux le 44. Est-ce que je fais ça ou... Bon, 85, 90, c'est hors de question. Alors, lui, il se dit 44. Si je le mets là, c'est bon. Mais si je mets mon 18, je vais être... il va venir ici. Puis je vais récupérer ces deux-là. 1, 2 et 3 taureaux. Ce qui dit après, je vais être un petit peu embêté. Hein. Donc, bah lui, il se dit, allez hop, pas d'hésitation. Moi, pour pouvoir poser après le 44, je vais poser le 18. Tant pis, je vais récupérer des têtes de taureau, mais bon. Oh là là, alors lui, c'est la catastrophe, parce que vous voyez son jeu. De toute façon, lui, quoi qu'il fasse, quoi qu'il pose, il va récupérer le total. Donc, eh ben, il se dit, moi, je vais poser le 83, parce que je récupère... Oh non, je vais poser le 80, parce que sur la table, ça fera 3 taureaux, puis je m'en débarrasse. Donc, ben, malheureusement, le 80, on retourne. Donc, lui, 18, ben, opération un petit peu réussie, même s'il récupère des têtes de taureaux. Le 26, ben, lui, ça l'arrange bien. Qui est ça? De toute façon, sinon, il récupérait tout. Alors, lui, ben, malheureusement, 80. Donc, il récupère tout ça. Bon, en se disant que, de toute façon, la partie, lui, c'est bon. Il va prendre cher. Tant pis pour lui, hein. Donc là, ben, il décide de jouer le 83. Alors, il la cache, hein, bien sûr. Lui, ben, lui, oh, il va mettre la 31. Lui. Ah, 88, peut-être m'en débarrasser tout de suite. Parce que si après, bon, allez hop, 88. Et puis lui, ben, lui, oh là 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 là, ben, lui, moi, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je joue là. Ah non, 85, 90, ça va être là, je récupère tout. De toute façon, ce sera le coup d'après. Ah non! 85 après le 80, parfait. Oh, c'est pas possible, je joue à chaque fois. Donc ensuite, on retourne. Donc lui, oulala, lui à la plus petite, 83, 85, 88. 83, 85, 88. On continue. Donc lui, bah, 31, c'est bon. Hop, lui, 90, aïe. Alors, est-ce que je prends mon 90, je le mets là? Mais lui, s'il a plus petit que 90, je vais être pris. Bon, bah, il dit, allez, hop, tant pis, 90. Il joue le 44, le coup d'après. Il faudra que je joue le 90, s'il y en a un qui... Oh non, 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 il ne peut pas jouer le 89. Allez, hop, il ne peut pas l'avoir, c'est pas possible. Allez, je joue le 44. Lui, il a 92. Eh ben, 92, 92... Hop, il le met là. Oh, encore une fois, excusez-moi. Il le met là, il retourne leur carte. Donc, 31, c'est la plus petite. 44, 92. Et là, on retourne. Ben, de toute façon, puisqu'il n'en reste plus qu'une, ils n'ont pas le choix. Ils retournent. Donc, lui, 97, 46, 90, 46, il la pose ici. 90 ensuite, aïe, 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 90, ben 90, il ne peut pas la mettre ici, bon, et ben il peut la mettre là, sauf que 1, 2, 3, 4, 5, 6, il récupère tout, parce qu'il ne pouvait même pas la poser ici en début, puisque c'est un 64, bon, il la laisse sur la table, c'est moindre mal, il récupère les cartes, et donc il récupère les cartes sur sa défausse, hein. Et lui, le 97, eh bien, il peut le mettre ici. La manche est terminée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 têtes de taureau. Et on compte celle du haut. 12, on les note. 1, 2, 3, 4. Donc 12 pour le 1. 4 pour le 2. 1, 2, 3, 3 et 3, 6. 6 et 5, 11. 11 et 7, 18 et 18. Alors après, vous faites le nombre de manches que vous voulez. Voilà, c'était le jeu, le 6 qui prend. Très simple, très marrant, pas pour tout le monde. Amis internautes, au revoir. Merci de liker, commenter, vous abonner et nous faire connaître. Au revoir.